Je crois que cette série de vidéos, La Face Cachée 2, ça va devenir ma série de vidéos préférée quand même. Hello mes poulets, salut tout le monde, j'espère que ça va bien par là-bas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top de vous-même, j'espère que ces temps-ci bah, ça va bien pour vous et asseyez-vous bien parce que le sujet du jour va sûrement dégoûter certains et certaines. Une nouvelle fois vous avez un peu de chance, je suis un chouïa pimpé, je suis pas totalement, je suis un chouïa et cette fois-ci en plus j'ai même pas été pimpé par moi-même, excusez-nous ces influenceurs, mais j'ai été pimpé, petit mot très rapidement, vous me connaissez, je commence jamais directement sur le sujet, j'ai été pimpé par une maquilleuse parce qu'aujourd'hui j'étais sur le shooting parmi les mannequins de la campagne de Skin and Out qui est une marque créée par deux sœurs qui sont adorables qui en fait va vraiment traiter le cœur du problème de l'acné mais sans culpabiliser le fait d'avoir de l'acné justement, d'assumer d'avoir de l'acné, de libérer sa peau pour mieux la traiter et pour la nouvelle campagne donc j'ai été appelée parmi les 10 mannequins et c'était trop bien et voilà quoi, et voilà pourquoi je suis pimpée. Gros trigger warning aujourd'hui mes poulets, nous allons entre autres parler de violence conjugale et d'agression sexuelle en tout genre. Donc si ce sont des sujets qui sont trop délicats pour vous, je vous invite dès maintenant à quitter la vidéo. Vous pouvez mettre un like avant de partir histoire de. Et je ne vous oblige pas à rester parce que comme on a dit, la santé mentale avant tout. Avant toutefois que l'épisode commence, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire, je vous le dis tout le temps, vous êtes une grosse partie à ne pas être abonné et à tout le temps revenir. I will kill you someday. Et aussi, faites un tour sur mon compte Instagram, il est juste en bas. Venez donner du love, je fais plein de choses là-bas. Je fais des reels sur des sujets d'actu, sur des sujets de société, je fais des stories qui sont cool, vous me voyez tous les jours. C'est trop bien, venez me follow sur Instagram, ouais. Genre comment ça se fait qu'on soit presque 270 000 ici et on est 107 000 là-bas? C'est énorme, hein? Mais comment ça se fait les gars? Qu'est-ce que vous faites? Et je vous rappelle aussi que mon podcast est officiellement sorti. Le premier épisode a été diffusé mercredi dernier. Ça va être un épisode toutes les deux semaines. Il y aura le lien aussi dans ma bio. Enfin bref, il y a toutes mes activités qui sont là. N'hésitez pas à me retrouver partout où vous pouvez, où vous avez envie. Et nous, on va s'asseoir. Prenez de quoi bien digérer toutes ces informations. C'est parti. Picasso, un génie me dites-vous? Oui, mais dans ce cas-là, plutôt un génie du mal. Picasso abusait des femmes comme un Harvey Weinstein de son époque, mais dont le comportement était alors considéré comme acceptable, a déclaré l'artiste danois-finlandais Olafur Eliasson au sujet du peintre espagnol. Cette analogie peut être choquante pour pas mal d'entre vous, vous fera peut-être lever le sourcil ou même froncer ces derniers, et pourtant, elle est quand même vraie. C'est par le biais de notes, d'interviews, ainsi que de journaux intimes laissés derrière eux par les épouses de Picasso, ses maîtresses, ses enfants, ainsi que d'autres personnes de son entourage, qu'on a enfin pu ouvrir les yeux sur la face cachée de ce monstre. Alors on pourrait dire que tout a commencé avec son ancien colocataire, Max Jacob. Également artiste de son métier, le jeune homme préfère donner la moindre de ses heures, toute son énergie, ainsi que le moindre de ses sous, à Picasso, dont il est follement épris, justement. Il était totalement amoureux de Pablo, Pablo qui le savait mais qui ne lui rendait rien, parce qu'il n'était pas intéressé par les hommes. Et à la place donc de s'intéresser à sa propre carrière et à faire avancer son travail, il préférait tout faire pour Picasso, pour que Picasso soit bien, pour que Picasso peut-être un jour puisse lui rendre cet amour qu'il lui renvoie tout le temps. Pour vous dépeindre la triste fin de Max Jacob, début des années 40, vous connaissez le climat qui est installé en Europe et entre autres en France, il se fait arrêter en vue d'une déportation vers l'Europe de l'Est. Picasso, à ce moment-là, on sait donc que c'est son colocataire, et il est le seul qui aurait pu le faire libérer, et il refuse par manque d'envie, par une grosse flemme, pour juste vous résumer ça. Donc je pense que là, dès le commencement, vous avez un minimum de contexte de qui est le personnage de Pablo Picasso. Parce que je tiens à vous dire, dans les commentaires, je sais qu'il y aura très sûrement des grands fans de lui qui vont s'insurger contre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le principe de cette série de vidéos, La Face Cachée 2, c'est justement de parler de la face cachée de célébrités dont on a présenté une seule partie de leur personnalité pendant de nombreuses années, décennies, voire peut-être même siècles, soyons totalement fous, on ira creuser très loin. Mon but n'est pas de vous faire haïr ces personnes-là, c'est à vous de choisir. Je ne suis jamais là pour penser à votre place, pour me mettre dans votre tête ni dans votre cœur. Mais par contre, je suis là pour partager du factuel sur ces choses-là. Ce sont des travaux d'historiens, ce sont des livrages, j'allais vous dire. Ce sont justement des proches qui se sont livrés sur ces sujets-là, des sujets où il y a eu plusieurs témoins, où il y avait un comportement très cyclique, très récurrent en fait, de la part de Picasso, entre autres, pour cette vidéo-là. Donc je vous prierai en retour de ne pas vous faire flouter
par votre fanatisme. Parce que si demain on m'apprenait ce style de choses au sujet de Beyoncé ou de Rihanna, bien entendu ça me ferait très mal. C'est sûr et certain, mais toujours est-il qu'il faut savoir faire la part des choses. J'ai arrêté d'être fan de Chris Brown au moment où j'ai appris qu'il était qu'une ordure, j'ai arrêté également d'être fan d'R. Kelly au moment où j'ai appris qu'il était une ordure, et la liste est très longue. Donc vous pouvez le faire si vous en avez envie, mais je ne suis pas là pour vous forcer. Mais toujours est-il que ce n'est pas parce que vous êtes fan que pour autant vous avez la science infuse au sujet de cette personne-là en fait. Donc je vous demanderai juste d'écouter la vidéo, si vous n'êtes pas content, malheureusement c'est pareil, parce que c'est ainsi qu'est la vie, parce que j'ai parcouru quelques forums de fans de Picasso qui se refusaient à croire ça, qui disaient que ce sont les médias et les féministes actuelles qui osent salir son image. Ça n'empêche en rien qu'il a pu être un artiste de talent, même si on parlera aussi de certaines phases de talent. Mais il faut aussi ouvrir les yeux sur une réalité, et j'espère que vous aurez l'intelligence ainsi que la clairvoyance par rapport à ça. On peut être un artiste de talent et être une ordure en tant qu'être humain, l'un n'empêche pas l'autre. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, moi je ne suis pas là pour séparer l'homme de l'artiste, parce que l'homme et l'artiste sont les mêmes personnes. Marie-Thérèse Walter, sa compagne entre les années 1927 et 1935, n'a par exemple à plusieurs reprises pas hésité à qualifier vraiment de viol les relations sexuelles qu'elle avait avec Pablo. Puis surtout, chose qui m'a vraiment horrifiée et dégoûtée, elle a précisé que avant qu'il s'arme de ses pinceaux, de sa peinture et de son chevalet, c'était presque justement devenu un rituel que de l'agresser sexuellement Marie-Thérèse, comme s'il s'inspirait de toute cette douleur, de cet acte horriblement violent, tordu et vicieux qu'il lui infligeait pour après aller peindre. Sans même devoir vous rappeler, mais je vous rappelle aussi, qu'il a commencé à fréquenter Marie-Thérèse quand elle n'avait que 17 ans, et que lui en avait 45. Même si je sais très bien, hein, par rapport aux époques auxquelles Pablo Picasso ainsi que ses compagnes ont vécu, ce sont des époques où ces différences d'âge ainsi que épouser des filles qui avaient 16 ou 17 ans, c'était totalement courant. Si même quelqu'un comme Luc Besson a pu épouser Mai Wen avait quoi? Elle avait 15 ans à ce moment-là. C'est... voilà. Ce sont des choses qui, même à l'époque de Besson, mais sûrement aussi parce que c'était Besson, ont passé au-dessus. Donc à l'époque de Picasso, c'était beaucoup plus normalisé. Mais ça veut pas dire que c'est normal. Surtout qu'encore une fois, c'est pas comme si Marie-Thérèse à cette époque-là avait 17 ans et lui en avait 20 ou 21. Ou dans ce cas-là, ok, il y a une personne qui est mineure et une qui est majeure, mais on a une différence d'âge qui fait que on est de la même génération malgré tout, donc c'est un peu moins dégueulasse. Il semblerait entre autres que la triste fin qu'a connue Marie-Thérèse, donc un suicide, soit entre autres liée à l'enfer qu'elle a vécu aux côtés de Pablo. Et comme je vous disais, ce sont les journaux intimes ainsi que les personnes autour d'elle qui ont pu témoigner de tout ça. Et ce serait fâcheux d'oublier que ce n'est entre autres pas la seule compagne de Pablo Picasso qui s'est suicidée. Sans oublier qu'une autre d'entre elles a fini internée à Sainte-Anne. Pour moi, il y a deux types de femmes, disait Picasso. Les déesses et les paillassons. Mais à votre avis, après déjà ce que je vous ai raconté, où est-ce que se situaient les femmes qui partageaient sa vie en fin de compte? Les récits racontent également que ses propres filles, donc ses enfants, la chair de sa chair, le sang de son sang, témoignaient, quand elles étaient encore enfants, d'une forme de gêne en compagnie de leur père. Alors, bien entendu, je ne me targuerai absolument pas de l'accuser d'inceste et pédophilie. Je ne peux pas parce que je n'étais pas là et les mots n'ont pas été mis. Mais toujours est-il que ça a été pas mal souligné, je vous mettrai plusieurs de mes sources en barre d'infos pour que vous alliez lire les articles, vous puissiez voir des documentaires, vous écoutiez aussi des podcasts, il y a vraiment tout type de contenu là-dessus. Et c'est quelque chose qui est souvent revenu justement. Donc est-ce que c'est parce que peut-être elles voyaient le comportement violent que leur père avait envers ses différentes compagnes, ou est-ce qu'il avait quelque chose de sous-jacent d'encore plus immonde? Le plus fou, c'est que tout était pourtant sous les yeux de tout le monde en fait concernant Picasso. Parce qu'il faut savoir que c'est le même homme qui, sous une de ses œuvres au MoMA, a écrit « Chaque fois que je quitte une femme, je devrais la brûler. Détruisez la femme, vous détruirez le passé qu'elle représente. » Et tout ce personnage, c'est à mon sens en partie la faute d'une époque qui, comme je vous disais, jugeait des comportements très limites, pour ne dire que ça, ou même des comportements conjugaux violents, comme étant presque dans une forme de norme. Mais le tout additionné avec le fait, vous savez, qu'il y a souvent ce laissez-passer qui est donné aux artistes, quels qu'ils soient, hein. Justement, comme on parlait de Chris Brown ou de R. Kelly, Polanski, j'en parlerai même pas, ainsi que de là maintenant Pablo Picasso, ce laissez-passer qui leur est donné d'être réellement des démons. Le mot est ainsi, je ne vais pas m'excuser,
quand tu te conduis de la sorte, pour moi tu es un démon sur terre. Mais il y a aussi énormément de personnes qui, quand je tournais sur ces forums-là, mes poulets, qui justement concernaient la vie de Picasso, parce que c'est vraiment que sur lui que je regardais, même si je suis tombée sur certaines discussions qui étaient autour d'autres artistes, parce que faut savoir qu'un Yves Saint Laurent, par exemple, couché avec des jeunes hommes mineurs quand il était en vacances au Maroc, et c'était pas tout le temps très très consentant apparemment. Enfin bref, on en parlera également dans un autre La Face Cachée 2, on a plein de choses à dire. Il y a pas mal de poètes français ainsi que de Lumière qui étaient plus que limite, pour ne pas dire pas du tout fréquentables et à enfermer. Et donc il y a toujours eu ce laisser-passer qui était et qui est encore donné aux artistes, parce qu'il y a tout ce côté justement, ce sont des artistes, ce sont des gens qui ne sont pas dans les mêmes normes que les autres, ce sont des créatifs, vous savez, ils ne pensent pas comme nous, ils ne sont pas comme nous, oui d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'il y a une loi pour tout le monde et il y a aussi des normes à respecter dans plein de domaines, et ce serait pas mal de le faire aussi quand même. Marina Picasso, la petite fille du peintre, a dit au sujet de son grand-père qu'il assujettissait les femmes à sa sexualité animale, il les matait. Du verbe mater, c'est pas juste fixer, c'est, vous savez, mater, je crois on le disait à la base pour le bétail, c'est vraiment les faire rentrer dans des cases, les faire suivre un comportement précis, mais sous la violence en fait, c'est les faire obéir sous une forme de violence. Donc il les matait, les ingérait, les écrasait sur sa toile. Après avoir passé tant de nuits à extraire leur essence, une fois asséchés, ils les jetaient. Je sais pas pour vous, même s'il est sûr que je sais pas quelle a été ou est, parce que je sais pas quel âge a Marina Picasso, la profession de cette femme, parce qu'il y a beaucoup de poésie là qui a été employée dans ses mots, c'était très... c'était une petite envolée lyrique. Mais il y a énormément de violence dans les termes qu'elle employait, et ça dénote encore une fois du penchant pour les violences conjugales et les violences sexuelles très très profondes en fait. C'est quand tu entends ça, tu te dis si sa petite fille, qui n'est pas censée justement être témoin de tout ça, en tout cas pas un témoin direct parce que je ne pense pas qu'elle soit dans la chambre à coucher avec lui, tu te dis si elle, elle a pu voir tout ça, si elle a pu être au courant de tout ça, imagine le récit qu'aurait fait de manière précise toutes ses ex-compagnes. C'est juste horrible à imaginer. Et comme je vous disais justement avec Marie-Thérèse Walter, quand elle expliquait que c'était même devenu une sorte de rituel pas mal de fois, qu'il... et des relations sexuelles violentes, borderline viol, avant d'aller peindre, comme pour s'en inspirer justement. C'est ce que sa petite fille, elle explique justement là, qu'après avoir extrait leur essence pendant des nuits, il les jetait, qu'il les écrasait sur sa peinture, qu'en fait il prenait toute la violence possible qu'il y avait dans cette relation là pour s'en inspirer et pour pouvoir après balancer tout ça. Donc que dire de la vie d'un homme dont chaque couche de son existence aux côtés d'une femme le rend encore plus pervers et tordu que la couche précédente en fait. Alors encore en couple avec Marie-Thérèse Walter et déjà papa, donc il vivait dans la même maison avec Marie-Thérèse et leur enfant, je sais plus si c'est au pluriel, il rencontre la fameuse Dora Maar. Dora Maar, jeune femme à ce moment-là vivant sur Paris, était une photographe parisienne très adorée dans la capitale. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde voulait traîner ou travailler avec Dora Maar. C'est un peu la it girl, mais côté... professionnelle en tout cas. Et c'est entre autres elle qui finira internée à Sainte-Anne. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique très connu parce que très ancien et qui existe encore aujourd'hui sur Paris, où on traite la majeure partie du temps des cas assez lourds. Après leur rencontre, donc Pablo commence à la fréquenter amoureusement, sexuellement, tout ce que vous voulez. Bien entendu, je vous ai cité juste avant qu'il était avec Marie-Thérèse. Donc il va doucement mais sûrement forcer Dora à abandonner la photographie, qui était pas que sa passion, mais son métier, son gagne-pain, mais sa passion aussi également. Donc vous imaginez bien si on vous enlève votre passion, parce qu'apparemment c'était quelqu'un de très charismatique, mais qui savait aussi convaincre les gens. Et il y a aussi toujours, vous savez, cet ascendant, cette question de différence d'âge, où il vient presque se poser comme un père face à ses compagnes, et donc c'est quelque chose qui est pervers. Très tordu. Donc derrière ça, Dora, elle abandonne sa passion qui est la photo et son métier. Et comme je vous disais, imaginez qu'on vous enlève votre passion qui est votre gagne-pain. Donc moi, on m'enlève en fait les réseaux sociaux, YouTube, le fait de pouvoir tourner ou même de pouvoir écrire, toutes ces choses-là. Je vais obligatoirement faire comme une fleur en fin de vie, je vais faner. Je vais me renfermer sur moi-même et je vais être mal. Et c'est ce qui s'est passé pour Dora justement. En plus, derrière ça, Pablo, par contre, il veut la booster à se lancer dans la peinture. Souci étant que, je vous l'ai dit juste avant, elle a un talent, Dora. C'est la photographie et tout le monde voulait ça. Sauf que tu peux pas obligatoirement t'improviser peintre. Tu peux avoir ce talent inné, c'est sûr et certain, mais tu t'improvises pas peintre, surtout quand c'est pas ta passion. Surtout que comparé à Picasso à côté, vous imaginez bien qu'elle n'aura pas du tout, mais pas du tout le même rayonnement. Et quand elle va se comparer à elle-même par rapport à son ancien métier, tu te dis mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis? Et tu te rends compte que, entre guillemets,
tu ne sers plus à rien. Et en parallèle, Picasso va aussi l'inviter, la forcer, à venir s'installer au domicile familial. Oui, là où il y a Marie-Thérèse Walter, ainsi que ses enfants. Peu de temps après, Dora devient officiellement vraiment la muse de Picasso. C'est écrit partout, ça a été scandé partout, ça a vraiment été sa muse. Donc on pourrait se dire que oui, bon, ok, il l'a forcé à arrêter son taf, si, ça, mais c'est quand même sa muse. Le souci étant, parce qu'il y a toujours un souci, la manière dont Dora est représentée, c'est toujours pleine de larmes et avec un regard où vous sentez la souffrance. Vous savez, c'est comme ces regards de chien battu, mais vraiment de chien battu, pas l'expression un regard de chien battu. Vraiment, les regards des chiens battus qui sont récupérés par des associations et des refuges où on sent dans leurs yeux. Tu le sens parce que ce sont des créatures qui sont pures en fait, les animaux. Ils n'ont pas le vice qu'ont les êtres humains, ils ne sont pas tordus, ils n'ont pas été modifiés par la société en fait. Et tu vois dans leur regard, tu le sens, cette souffrance, tu la sens, elle est palpable. Et Dora Maar, justement, dans toutes les représentations qu'il y avait d'elle, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'elle renvoyait. Il a entre autres créé une série de tableaux que je vais vous afficher ici, qui s'appelle Femme qui pleure, et c'était donc Dora à chaque fois. Cette représentation de Dora, on peut se demander pourquoi Picasso l'a faite ainsi. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui en fait était triste? On pense qu'elle l'est devenue, dans le sens où, comme je vous ai dit, Dora à l'origine était adulée dans le monde de la photographie et dans même le monde un peu people et mondain parisien de l'époque. Mais c'est apparemment une jeune femme pleine de vie, pleine de passion, pleine d'ambition. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, il l'a forcée à quitter son travail, il l'a fait habiter dans un domicile où il y a Marie-Thérèse avec ses enfants. Enfin, elle rentre dans une bulle et dans un monde où, à mon avis, elle est totalement perdue, elle devient un peu l'esclave de Picasso dans plusieurs formes que ce soit, et elle subit de la violence. Il la casse réellement, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et quand je dis physiquement, c'est parce que quand Picasso se mettait à frapper Dora, il la frappait jusqu'à ce qu'elle perde connaissance à plusieurs reprises. Mais avec Dora, on était sur une violence inouïe. Imaginez vous faire rouer de coups jusqu'à perdre connaissance. C'est... Enfin, pour moi, c'est pas imaginable. C'est pas imaginable. Et je pense donc, entre autres, que c'est pour ça qu'elle a toujours été représentée comme la femme qui pleure. Parce que comment tu peux être la femme souriante quand tu vis ce genre de vie auprès de ton bourreau, en fait? C'est une exposition qui s'est déroulée au MNBAQ, comme les lettres, qui a permis de lever le silence dessus, parce que justement, et c'était génial de pouvoir faire ça, ça a permis d'ouvrir un nouvel angle de lecture sur le personnage de Picasso. De s'éloigner du génie, du grand maître, de cet homme de renommée internationale, d'un des seuls peintres de ces époques-là, qui est devenu vraiment connu et millionnaire, une superstar, pendant sa vie. C'était assez rare, on pensera à l'exemple de Van Gogh, qui a vendu une seule toile durant son vivant. Son frère l'a même forcé à vendre cette toile, parce qu'en fait c'est son frère qui faisait que ralasse pour son loyer, pour son alcool, pour ses clopes, pour tout et n'importe quoi. Donc il a dit, bon gros, en fait moi je veux un peu de thune en retour. Mais Picasso était l'un des seuls, donc vous savez, il y a toujours eu toute cette aura autour de lui en fait. Et c'est génial que l'exposition du MNBAQ ait pu commencer à souligner le fait que on ne s'arrêtait pas là. Parce que ok, d'accord, il a fait des œuvres assez waouh, mais il n'y a pas que ça. Et justement, quand je vous disais qu'on va mettre quand même des holà sur le fait que oh là là, quel homme de talent, parce que entre autres, Pablo a eu beaucoup de passages à vide, ça peut arriver à tout type d'artiste, où il faisait vraiment de la D, mais vraiment de la D, c'est-à-dire qu'il était capable de retourner une de ses anciennes peintures et de vous dire, bon bah ça y est, on est sur quelque chose de conceptuel. Mais surtout, moi, ce qui m'a fortement étonnée, parce que j'ai fait des cours d'histoire de l'art au collège, c'est son très fameux tableau, Guernica, qu'il a fait rentrer dans une sorte de panthéon des artistes engagés. C'était un grand moment, on a dépeint le bombardement de Guernica, regardez-moi ça, il est en train de taper sur tous les gouvernements, quel homme. Sans préciser que toute cette idée vient de Dora Maar, parce que justement il était dans un de ses nombreux passages à vide, et c'est Dora qui surveillait l'actualité internationale, qui lui a dit que ce serait bien qu'il fasse quelque chose par rapport à ça, que ce serait bien qu'il en parle, qu'il prenne position. Et bien entendu, vous imaginez qu'il n'a jamais cité le nom de Dora, même si d'autres ont su que ça venait d'elle. Donc vous imaginez assez facilement qu'à cause de toute cette relation, à cause de tous ces changements en fait dans la vie de Dora, qu'un jour, et c'était très bien, elle a décidé de se lever contre Picasso et de se retourner contre lui, dans le sens où déjà, j'imagine qu'elle vivait très mal leur relation, mais vous le savez, et dans mes vidéos concernant mes ex, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les relations où il y a une grosse différence d'âge, il peut y en avoir où du début à la fin c'est bien. Je ne suis pas en train de taper sur tous les couples, ne le prenez pas pour vous si jamais vous êtes dans une relation où il y a un sacré écart d'âge. Mais toujours est-il que la plupart du temps, le souci ne vient pas du tout de la personne la plus jeune, hein.
Pas du tout. C'est vous cherchez soit un exemple, vous reproduisez quelque chose que vous avez déjà vu. Il y a les daddy ou les mommy issues, il y a toutes ces choses-là en fait. Ou vous aimez juste les cheveux poivre-sel. Voilà, ça peut être ça. Mais le problème vient de la personne plus âgée qui, elle, sait ce qu'elle fait. Et donc c'est ça aussi le souci, c'est que elle s'est retrouvée enfermée dans cette relation où elle a été torturée aussi bien, comme je l'ai dit, physiquement que psychologiquement, où elle s'est retrouvée vraiment anéantie au plus bas, et où en plus à côté, toute la manière dont elle est dépeinte aux yeux de la société, c'est cette femme qui pleure en fait, cette constante femme qui souffre, cette femme qui est toujours au fond du trou en fait. Donc enfin, merci mais non merci, ok je suis ta muse, c'est super gros, mais est-ce que tu pourrais me faire un peu plus stylée quand même? Est-ce que tu pourrais me faire amoureuse, aimer, aimante, je sais pas, tu vois. Donc elle a décidé à un moment de se lever contre Picasso et de taper un peu du poing sur la table, et vous imaginez que par rapport au personnage, il n'a pas du tout aimé, parce que Picasso, alors, si qui que ce soit lui disait non ou essayait de lui remonter les bretelles, ça ne passait clairement pas. Mais par rapport à ce que je vous ai dépeint, je pense que vous pouvez tilter facilement là-dessus. Donc derrière, lui, il a considéré, parce que c'était la facilité, que c'était une crise de nerfs et qu'elle était en train de basculer dans les tréfonds du début de la folie, je ne sais pas trop quoi. Il l'a fait consulter et d'un commun accord avec le psychologue ou psychiatre, ils l'ont fait interner à Sainte-Anne. Voilà. C'est pourquoi, en fait, pour revenir sur cette question de séparer l'œuvre de l'artiste, l'artiste de l'homme, toutes ces choses-là, est-ce que vraiment tu peux le faire quand, au final, bah, les agissements de cet artiste créent les œuvres? Ces œuvres-là découlent en grande partie de son comportement. Quand on vous dit qu'un peintre viole sa compagne et qu'après il peint et que ça l'inspire, quand il frappe sa compagne, après il peint et ça l'inspire, ses larmes, cette souffrance, est-ce que vous pouvez encore séparer l'homme de l'artiste? Dites-moi de quelle manière. C'est pour ça que dans ma vidéo sur R. Kelly, je vous expliquais aussi également, je vous la mets dans le i juste là, que ce n'est pas possible de séparer l'homme de l'artiste. Dans le sens où R. Kelly, et je vous ai fait la liste des sons justement dans la vidéo, a expliqué à plusieurs reprises s'intéresser aux jeunes filles, voire très jeunes filles, voire au fait de faire des choses non consentantes sexuellement. Donc à quel moment tu peux te dire je sépare l'homme de l'artiste quand l'homme et ses agissements pervers, illégaux, dégueulasses font découler les œuvres justement? C'est impossible. Déjà que pour moi c'est impossible même si c'est pas le cas. Parce que par exemple, je ne crois pas que Chris Brown ait eu un son où il disait je suis content d'avoir frappé Rihanna avec la boucle de ma ceinture, ou pousser Karrueche dans les escaliers, c'était trop bien. Enfin, je pense pas qu'il ait eu des sons où il a dit ça, mais ça ne change rien, parce que le mec qui a décidé d'enlever la boucle de sa ceinture et de rouer de coups Rihanna, bah c'est la même personne qui rentre dans le studio et qui est face à son micro et dont vous écoutez les sons, ou vous allez à son concert et vous êtes là en mode ouais Chris Brown. Non, non, c'est la même personne. Donc c'est exactement pareil pour Picasso, pire encore, parce que justement ses agissements créent une grosse partie de ses œuvres. Par exemple, un tableau titré comme Le Viol, peint en 1933 par Pablo Picasso, ne prend-il pas alors un tout autre sens? Dans la mesure où, personnellement, de prime abord, un titre de ce genre, je ne... Enfin, voilà. Ou un autre, de Picasso encore une fois, intitulé Le Viol avec un coq, est-ce que ça ne prend pas encore un nouveau sens? Et je vous précise très rapidement que ces deux tableaux-là sont imbriqués dans une série qui a compté environ une cinquantaine d'œuvres. Donc c'est-à-dire que ce monsieur s'est posé et a peint une cinquantaine d'œuvres pour les caler dans une suite qui s'appelle Le Viol. En fait, de la part d'un ou d'une artiste qui aurait très malheureusement vécu des passages très douloureux dans son enfance ou même dans son âge adulte, avec justement entre autres ce type d'agression sexuelle horrible qui, je pense, te meurtrit la chair de manière, enfin, innommable, mais que tu te sois posé quand en fait tu n'as pas vécu tout ça. Parce que dans le cas contraire, ça peut être thérapeutique. Ça peut être une manière justement d'expier le démon, si je peux appeler ça comme ça. Une manière de te traiter toi-même, de justement tout faire ressortir et de juste d'aller mieux en fait. Moi je sais que faire les vidéos et parler de sujets qui des fois me font mal, c'est ma meilleure manière de me guérir, si je peux dire ça comme ça. Parler de mes TCA avec vous, ça a été la première étape vers ma guérison, même si c'est pas encore fini, mais ça a été la première étape. Et donc tu aurais pu te dire que de la part d'une ancienne victime ça le soit. Sauf que Picasso, ce n'a pas été son cas. Picasso lui justement crée des victimes. Et donc que derrière tu crées une suite qui s'appelle Le Viol et qui constitue de plusieurs dizaines d'œuvres. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Et il y a pas mal de personnes qui justement à partir de là se sont dit mais Picasso dans pas mal de ses œuvres, il a représenté un minotaure. Mais un minotaure, vous savez, c'est cette espèce de créature un peu homme, un peu taureau, très musclée, légendaire dans
Grèce antique, si je dis pas de bêtises. Mais lui, il le représente toujours violent. Toujours en train d'agresser à moitié des femmes ou d'avoir des relations sexuelles assez cheloues, tu vois. Donc en fin de compte, il y a pas mal de personnes qui ont commencé... Certains vont dire que c'est extrapolé, c'est tiré par les cheveux, mais à mon sens, on peut se poser beaucoup de questions. Et on peut se poser la question qui a été balancée à plusieurs reprises, est-ce que ce serait pas une représentation d'une partie de Picasso? Est-ce que quelque part, il est pas juste en train de vous montrer cette partie de lui-même qui perpétue le mal? Donc des œuvres peintes après avoir violé, après avoir rabaissé et après avoir frappé, voici la face cachée de Picasso. J'espère que cette vidéo, bon, vous aura plu. Oui, c'est pas parce qu'on est sur des sujets... à chaque fois, en fait, que j'aborde un sujet qui est assez grave et touchy, j'ose pas vous dire à la fin, j'espère que ça vous aura plu, alors que ça peut tout de même vous plaire, parce que j'espère qu'elle aura été assez informative. Je vais vous mettre le lien de deux vidéos très intéressantes, dont une d'animation graphique qui résume justement tout ça, et que j'avais découverte vers la fin de mes recherches, et où je me suis dit, mais punaise, mais ce condensé est magnifique, envoyez-la à tous vos potes. Oui, j'espère en tout cas, mes poulets, que ça aura été assez informatif. Je vais lancer la playlist qui va vraiment s'appeler La Face Cachée, où vous pourrez retrouver la première vidéo que j'avais faite dans ce genre, qui était sur Gabrielle Chanel. Je vais continuer parce que c'est vraiment, j'en parlais avec Abba l'autre fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je sais pas, enfin c'est pas une envie de détruire des mythes, juste de les détruire, mais c'est une envie de pouvoir aller plus loin et de pouvoir vraiment vous faire connaître ces personnes là parce que je trouve ça trop facile de présenter uniquement le côté très mythique et positif de quelqu'un en oubliant et vraiment en enterrant tout le négatif qui justement, ce que je vais vous partager dans la face cachée, c'est du très négatif. On va pas s'arrêter sur quelqu'un qui juste fumait de la weed et vous disait que non, moi je suis sobre jour et nuit. On va aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, la famille, à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, et encore une fois à me suivre sur tous mes autres réseaux, Insta, Twitter, TikTok, même Pinterest. Je vous dis Pinterest alors que je le link jamais, mais parce que c'est Pinterest, genre je sais pas, je trouve ça bizarre, je comprends même pas les gens qui me suivent là-bas, mais bref. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le lien vers mon podcast Night Confessions qui est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et normalement Google Podcast s'ils m'ont enfin accepté entre temps. Donc voilà, moi je vous dis à très 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 bientôt, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, non? Mouah, peace guys.